Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au FC Barcelone. Le Barça se positionne dans la course pour Kylian Mbappé. En fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, le Bondinois est pourtant annoncé du côté du Real Madrid depuis de longs mois. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Juan Laporta, président du FC Barcelone, a évoqué une possible arrivée d'Mbappé l'été prochain au Barça. Pour rappel, le champion du monde 2018 sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Mbappé à Barcelone la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l'international français semble se diriger vers le Real Madrid, mais ces derniers jours, le FC Barcelone est entré dans la course pour recruter le numéro 7 parisien Kylian Mbappé. Ce samedi, dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Juan Laporta, président catalan, est resté effacif lorsqu'il a été interrogé sur le sujet d'une possible arrivée d'Mbappé au Barça. Tout le monde est libre de lancer des messages, cela fait partie du monde du football. Les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Permettez-moi de ne pas le faire, de ne pas parler de joueurs, parce que si je le fais, ça peut porter préjudice aux intérêts de notre club, le FC Barcelone. Si nous parlons d'un joueur et que nous avions l'intention de le recruter, nous augmenterons son prix, ni pour ce joueur, ni pour d'autres. Je ne ferai de commentaires parce que cela porterait préjudice aux intérêts du club de Barcelone, a déclaré le dirigeant des Blaugrana, Juan Laporta. En attendant, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Si le Real Madrid est en avance dans ce dossier, une prolongation d'Mbappé au PSG n'est pas à exclure. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Mbappé à Barcelone est vraiment une bonne idée? Est-ce que d'après toi, Kylian Mbappé va s'imposer au FC Barcelone? J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.